Bonjour mes frères et sœurs, et bienvenue sur Yonsk Bon, c'est la partie 2, comme promis, nous sommes de retour. Puisque c'est le premier témoignage puissant du jour, nous allons vous demander de vous joindre à nous dans cette prière que nous allons faire pour que Dieu puisse nous accompagner. Vous comprenez? Je pense que oui. Alors, prions ensemble et demandons à Dieu de nous aider. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, conduis-nous et assiste-nous tout au long de ce témoignage puissant. Que ta main puissante soit toujours là pour nous garder. Que ta main puissante soit toujours là pour nous protéger, pour nous restaurer, pour nous envoyer tout droit vers ta gloire, toi qui es un Dieu vivant et qui nous couvre de ton bon esprit. Veille sur nous tous et veille sur la vie des abonnés. Toutes les étoiles qui ont été capturées par l'ennemi, qui empêchent même tes enfants de réussir, s'il te plaît Seigneur, veille restituer tout, restaure nos vies, restaure nos visions, restaure tout. Et tout le travail, tous les boulots que le diable est en train de faire pour nous maintenir toujours au même niveau, que cela soit un échec, que nous puissions réussir dans nos activités, que nous puissions avancer, même connaître des percées, faire des exploits, parce que c'est avec toi nous allons les faire. Oh, éternel notre Dieu, s'il te plaît, veuille nous pardonner de tous nos péchés, toutes nos actions mauvaises qui nous condamnent ou qui amènent même ces démons à travailler contre nos vies. S'il te plaît, Seigneur, maintenant viens et dites-nous que ton sang nous purifie et donne-nous ta force, que ta parole soit nourriture pour notre âme et notre esprit. Amen. Mes frères et sœurs, un témoignage, ce n'est pas n'importe quoi. Et ce témoignage que nous allons écouter, c'est un témoignage puissant qui parlera du monde des eaux, des sirènes, même des démons qui collaborent avec les gens qui se trouvent dans l'industrie de la musique. Ici, on parlera également du démon Baphomet. En fait, c'est le témoignage d'une personne qui d'abord nous a raconté comment elle attrapait les sorciers. La première partie apparaîtra à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche. Et souvenez-vous que Yonsk Bon a trois autres chaînes. Juste en cliquant sur Yonsk Bon, vous aurez accès à la page d'accueil. Ceux qui peuvent le faire, faites-le maintenant. Allez sur la page d'accueil et abonnez-vous sur les trois chaînes et veillez à ce que les cloches soient activées pour les trois chaînes aussi, parce que les vidéos viendront là-bas pour vous aider, pour nous aider. Dieu peut nous faire découvrir des choses qui sont cachées. Donc, dans la fin de cette vidéo, vous verrez, cette vidéo apparaîtra la première partie où se tombe à nous rappeler, même de ce témoin puissant, ce qui s'est réellement passé là-bas. Lui, il a tapé les sorciers avant. Et la manière d'attraper les sorciers, sa stratégie, tout ce qu'il a fait, ça l'a encore introduit dans un autre monde où il pouvait tout simplement collaborer avec les gens du monde des ténèbres. C'est là qu'il a rencontré cette sirène. Et cette sirène va maintenant travailler avec cet homme. Et son travail va le conduire jusqu'à là. Écoutons-le maintenant. C'est parti. La dernière fois, j'ai expliqué comment mon grand-père au village m'a initié à la sorcellerie inconsciente au village natal, alors que je n'avais que 5 ans. En conséquence, j'ai commencé à rêver de rêves lucides, dans laquelle je travaillais pour lui dans la forêt. Tout le jour, la nuit, je me voyais dans la forêt en train de travailler, mais je ne comprenais pas tout ceci. À vrai dire, mon grand-père m'utilisait pour lui la nuit dans la sorcellerie inconsciente. Étant donné que j'étais un sorcière inconscient, le diable entreprit de me rapprocher de lui, en me connectant une déesse du monde des eaux, au nom de Mathilde, une femme de monde sous-marin qui était ma femme et venait me visiter physiquement à la surface de la terre. Ce fut lorsque ma femme fut informée par les villageois qu'il me voyait avec une femme inconnue au village qu'il y eut altercation entre ma femme de la terre et ma femme spirituelle de la mer. La sirène Mathilde qui fut ce jour-là agressée physiquement par ma femme terrestre était vexée. Finalement elle maudit ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il a rencontré cette sirène, cette sirène lui a donné des pouvoirs. Cette sirène a même augmenté ses pouvoirs. Et lui, il s'est marié avec cette sirène-là. Et cette sirène-là était comme sa femme, mais sa femme spirituelle. Mais ne vous inquiétez pas, on pouvait la voir même physiquement. Et quand les gens qui sont près de lui ont vu une autre femme, qui n'est pas la femme, sa femme terrestre, ils sont tout de suite allés informer sa femme de ce que son mari est en train de faire. Tout de suite, sa femme va les trouver et, comme vous connaissez, la jalousie va se mettre en place et la guerre va commencer, il y aura palabre.
Et c'est là cette sirène-là va décider de lancer un sort à cette femme-là, puisque cette femme va la frapper au point où elle va la blesser. En conséquence, ce dernier fut paralysé. Il fallait donc que je trouve un moyen de déjouer les manœuvres de la sirène du monde des eaux. Maintenant que sa femme est dans des problèmes, lui, il doit chercher maintenant les moyens pour pouvoir libérer sa femme. Et c'est ce qui va l'amener plus loin. C'est alors que je fus informé par le mystique qu'aucun sorcier et féticheur du village ne pouvait affronter et faire la tête à cette femme de la mer. Et il va découvrir que cette femme est tellement puissante que aucun homme sur la terre ne peut la défier. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Que va-t-il faire? Écoutons-le. Ainsi, il fallait donc trouver une autre reine de la mer plus puissante que la sirène Mathilde. Là, il va chercher maintenant une autre reine, parce que cette sirène, elle est une reine dans ce monde. Donc, il veut chercher maintenant une autre femme qui est à la hauteur de ce démon. Seulement, ce sont des choses terribles qui se passent dans le monde des ténèbres que nous découvrons aujourd'hui sur notre bonne. C'est le feu commencer. Dès que vous voyez les vidéos et vous voyez les témoignages puissants, venez voir. Il y a des choses extraordinaires qui vous attendent. Ainsi, il fallait donc trouver une autre reine de la mer plus puissante que la sirène Mathilde, afin de déjouer ses manœuvres, car elle était obstinée à détruire ma femme qu'elle avait déjà paralysée. C'est ainsi que je suis entré en contact avec la reine Diane qui était plus puissante que la sirène Mathilde. Aussitôt que je suis entré en contact avec la sirène Diane, cette puissante déesse des eaux me transporta vers le monde inférieur sous la mer, où nous avons eu à visiter le monde de Sirène, une civilisation pré-adamique et futuriste. Après avoir visité la ville métropolitaine sous la mer, la reine des eaux Diane m'amena visiter les prisons et les dimensions de l'univers qui est sous l'eau. Nous avons visité le royaume du dieu de la musique appelé Baphomet. Ce démon de la musique était hybride. Je veux dire, son partie inférieure était humanoïde, mais sa tête était celui d'un chèvre. Au cours de la conversation entre la reine Diane et le dieu Baphomet, ces êtres surnaturels me firent comprendre que toutes les célébrités qui opèrent dans l'industrie de la musique ont convenu d'adhérer aux pratiques homosexualité. Puis le dieu de la musique nous emmena visiter une installation pénitentiaire dans son royaume, dans lequel étaient incarcérés les musiciens et célébrités qui ont failli de garder le terme et conditions de pacte qu'ils l'ont signé. Ces musiciens et célébrités qui avaient enfreint la loi étaient frappés de mort prématurée sur la terre. En conséquence, leur esprit était emmené en captivité et incarcéré en prison dans la dimension du roi Baphomet qui est le dieu de la musique. Ainsi, au cours de cette visite, Baphomet nous montra un musicien qui avait convenu de pratiquer l'homosexualité, comme d'autres célébrités dans l'industrie mondiale de la musique, mais aussitôt qu'il est devenu populaire, il refusa de se livrer aux pratiques homosexuelles. En raison de ceci, il fut frappé par la mort prématurée et il atterrit en captivité dans ce prison dans ce monde du roi Baphomet. Lors de la visite dans le monde des eaux, la reine Diane m'a fait comprendre que le monde des eaux travaille pour détourner les destinées des hommes sur la terre. Il travaille pour capturer les étoiles des hommes naturels. Il travaille pour prendre possession des chances et des budgets que Dieu a donnés aux hommes. Il faut noter que tout ce qui est à la surface de la terre peut être capturé, et tout peut être sacrifié. Bien-aimé, si vous êtes imprudent, votre intelligence peut être capturée. Beaucoup des élèves qui étaient auparavant intelligents, habiles et astucieux sont devenus moins performants car leur intelligence a été volée. Beaucoup des hommes et des femmes ont perdu leur éclat, leur beauté et leur charme. Ils ont fané car leur beauté fut volée et détenue dans le monde spirituel. Beaucoup des hommes et des femmes souffrent de maladies chroniques car leurs poumons, leur cœur, leur cerveau est en détention et en captivité dans le monde sous-marin. Ainsi donc, la science médicale ne peut pas le guérir. Il y a des gens qui souffrent sur la terre car leur destinée a été déviée, détournée et reprogrammée. Ils vivent une vie qui est parallèle à la vie que Dieu leur a destinée. Ils vivent dans la médiocrité et sécheresse car leur destin et richesse sont détenus dans le monde des eaux. En effet, au cours de notre visite dans le monde inférieur sous la mer, la sirène des eaux, la reine Diane, me montra les destinées et les étoiles des hommes vivant sur la terre. Ces destinées et étoiles étaient capturées et détenues. Vu que leurs richesses et étoiles sont capturées, ils sont voués à la pauvreté, sécheresse et mendicité, car ils sont captifs dans le monde des eaux. Beaucoup de mariages sont détenus en captivité dans le monde sous-marin. Beaucoup des hommes et des femmes sont détournés de leur trajet et chemin tracé par Dieu. La Bible dit, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. » Frères et sœurs, le monde inférieur de Sirène est le nomi numéro un de destin et destinée des hommes. Le monde sous-marin travaille dans le but d'empêcher les hommes et les femmes à la surface de la terre d'accomplir le destin que Dieu a placé devant eux.
Les destins de beaucoup des hommes et des femmes ont été échangés. Ainsi, beaucoup de gens vivent des vies qui ne sont pas les leurs. Beaucoup de gens mangent des miettes alors qu'ils sont censés manger le pain complet. Beaucoup de gens vivent des vies inassouvies. Peu de gens vivent selon la volonté et les normes de Dieu pour leur vie. Ainsi donc, le monde sous-marin est opposé au plan de Dieu pour les hommes. Il travaille pour renverser la destinée de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, votre destinée est ce que Dieu a voulu que vous puissiez devenir dès le sein de votre mère. Votre destin est le plan original de Dieu pour votre vie avant que vous ne soyez nés sur la terre. Votre destinée est le dessein divin de Dieu avant votre création. Votre destin est votre mission sur terre. Votre destin est l'image que Dieu avait dans son esprit sur vous avant de vous créer. Dans Jérémie 1 verset 5, la Bible dit, « Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'ai sanctifié. Je t'ai ordonné prophète aux nations. Avant que tu sois né, Dieu connaissait déjà qui tu étais. Vous êtes spécialement créé pour devenir une solution au monde. Avant que Dieu vous a donné la vie, il vous a déjà choisi pour la grandeur. Vous n'êtes pas né par erreur mais par la volonté divine de Dieu. Vous pourriez être inutile aux yeux des hommes mais vous êtes utile aux yeux de Dieu. Vous avez peut-être été rejeté par les hommes mais vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Le monde sous-marin remplace les aspirations par la frustration. Ils peuvent remplacer votre élévation par la descente. Ils échangent des progrès avec la stagnation. Ils échangent la supériorité avec l'infériorité. Ils peuvent échanger la vie contre la mort. Quand je parle de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique, mais ce peut être la mort financière, la mort maritale, la mort académique, la mort de santé. Ils échangent la lumière avec les ténèbres, la santé contre la maladie. Ils peuvent échanger votre prospérité avec la pauvreté, la vigilance avec l'ignorance. Ils peuvent échanger votre sagesse avec la folie. Ils peuvent échanger votre satisfaction avec la frustration. Ils peuvent échanger votre attention avec la distraction. Étant un voyageur interdimensionnel, je voyageais non seulement dans le monde sous-marin mais aussi dans le monde cosmique. Quand j'ai commencé à opérer de voyage astral dans l'espace cosmique, j'ai constaté qu'il y avait saturation et suractivité des forces de l'air et des puissances de l'espace dans le monde cosmique. En réalité, à part l'espace qui est parcouru et traversé par les avions, il y a un autre monde dans l'espace, où règne un souverain puissant dans l'espace qui gouverne le firmament et le monde souterrain. Le monde dans lequel nous vivons est investi, assiégé et colonisé par des forces du mal, qui ont bâti des avant-postes, des forteresses et des citadelles dans l'espace comme sous l'eau et dans les régions inférieures de la Terre. À tant qu'une transcendeur de l'hyperespace le deuxième ciel, je connais la puissance à l'œuvre dans le firmament. Beaucoup de chrétiens souffrent à cause des contre-mesures et des ripostes de forces de l'espace qui sont stationnées dans le deuxième ciel. Il y a une entité humanoïde puissante et géante dans le second ciel. Ce souverain dans le deuxième ciel a 10 000 démons féminins, qui sont des sirènes de l'air. À chaque fois que les chrétiens prient sur la terre, ce royaume au deuxième ciel voit des signaux à la surface de la terre. Ce signal indique que le chrétien est en prière. Aussitôt que les princes et les sirènes de l'air remarquent qu'un chrétien prie à la surface de la terre, ils vont descendre plus précisément là où le signal de la prière est en train de clignoter, afin d'identifier la personne qui prie, dans le but de tenter de bloquer cette prière et causer l'affliction aux chrétiens qui prient. Le souverain qui est le prince de l'air dans le deuxième ciel est farouchement opposé à la prière et aux chrétiens qui fait monter les prières dans le ciel. Raison pour laquelle je conseille aux enfants de Dieu de se couvrir avec le sang de Jésus quand ils commencent la prière. La Bible nous parle de ce souverain et prince de l'air qui domine et gouverne dans le firmament. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. En plus, il faut savoir que le monde sous-marin exporte la nourriture que nous mangeons sur la terre. Il manipule et envoûte également la nourriture que nous mangeons sur la terre, dans le but d'affaiblir les chrétiens dans la prière, causer la lourdeur dans la lecture de la parole de Dieu. Aucune pierre n'est laissée intacte. Même l'air que nous respirons est utilisé comme canal de manipulation par le monde de Satan. À combien plus fort raison la nourriture que nous mangeons. Quand nous nous réveillons, nous devons nous couvrir du sang de Jésus-Christ. J'étais un esclave au service du diable pendant 20 ans. Je me déplaçais toujours ici et là pour causer les destructions. Je ne restais jamais longtemps ou plus d'un an dans un endroit. J'étais toujours en mouvement. Aucun de membres de ma famille ou amis savait ma destination. Puis la sirène Diane m'a emmené vers mon bureau, où il y avait une machine de surveillance du monde. Je pouvais voir ce qui se passait sur toute la terre. Dans mon pays, ma ville et mon village. Je pouvais aussi voir des gens entrer et sortir du monde sous-marin.
et je pouvais également voir ce qui se passait dans le monde sous-marin. Dans notre association de médecins traditionnels, nous avions un groupe appelé le Grand 5. La plupart de ses collègues sont morts, mais le type d'opération qu'on menait consistait à combattre les méfaits et sortilèges sorcières dans le village. On opérait comme de principautés protecteurs du village face aux sorciers. Personne ne pouvait nous éclipser. Je pouvais surveiller et scanner tout un village pour localiser la présence et activité sorcellerique. De fois, nous étions forcés d'abattre et d'éliminer les sorciers qui étaient obstinés à perpétrer leur envoûtement et sortilège. Pour cela, j'étais bien équipé avec des munitions, des outils de détection. En gros, notre rôle dans le village consistait à combattre la sorcellerie et les sorciers. On opérait en réalité comme de police astrale. Ma repentance, alors qu'on opérait au Cameroun comme de principauté, on pouvait voir un homme de Dieu nigérian qui était actif spirituellement au Cameroun. Pourtant, cet homme de Dieu n'était pas physiquement au Cameroun, mais cependant il était spirituellement actif au Cameroun, et il traînait de foule. Nous étions étonnés par tout ceci. Par conséquent, nous avions décidé de prendre des mesures préventives pour empêcher cet homme de Dieu d'entrer au pays. On voyait dans le futur proche ce missionnaire arriver et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Il distribuait de l'eau du fleuve de trône de Dieu aux populations du Cameroun. Il administrait même aux gens qui viennent à l'église des traitements. Nous avons été surpris et on se demandait qui est cet homme. Ainsi, nous avons décidé de l'empêcher de venir au Cameroun. Nous avons commencé à déployer les logistiques dans les quatre coins du Cameroun afin de l'arrêter. J'ai été envoyé dans la montagne pour mettre en place de pièges contre son avion. Après cela, nous étions rassurés qu'il n'entrera pas. Mais à notre grand étonnement, nous avons vu les publicités de réunion de cet homme au pays. Nous avons décidé de venir tester son pouvoir. Je fus donc envoyé par les groupes de charlatans et herbalistes avec la commission d'affliger cet homme de Dieu. Et ils attendaient impatiemment le rapport. Je suis venu avec bravure contre cet homme parce que je savais qu'il était dans notre terrain et il ne réussira pas. Je suis venu avec le pouvoir traditionnel et l'énergie du monde des eaux. D'abord, je suis allé à mon sanctuaire dans le village de Moya. Une fois que j'ai fini de faire de formules incantatoires, j'ai pris le vélo et j'ai conduisais pour venir à l'église et attaquer l'homme de Dieu. Mais en cours de route dans la direction entre le village de Moya et le village d'Ambomaka, j'ai eu un accident. Pourtant, la route était en bon état. En fait, un bus me cogna par derrière et j'ai crié. Comme résultat, un grevier pénétra ma main. C'était grave car j'étais blessé sévèrement. Pendant que je souffrais cette blessure, j'avais constaté que j'étais abandonné par mes collègues dans cette tentative d'essayer de combattre le missionnaire. Comme j'avais failli dans cette mission de destruction, deux autres charlatans ont pris la relève et ont lancé l'assaut contre l'homme de Dieu. Mais ils moururent tous les deux. Ils m'ont pas reçu la grâce qui m'a été accordée. Depuis lors, je n'ai plus jamais été en contact avec eux, car après mon échec, j'essayais de me remettre de la blessure. J'ai décidé de laisser derrière tout ceci. Je voulais la promotion dans le monde des esprits. Alors je me suis dit, je dois me concentrer sur la mission de la reine Diane contre le pasteur. Je suis allé sous l'eau et j'ai dit à Diane que je suis prêt à m'asseoir sur mon trône. La sirène Diane m'a instruit de lui offrir cet homme de Dieu en sacrifice humain. Elle me dit, si tu peux réussir dans cette mission, tu seras intronisé et couronné comme souverain dans le monde des eaux. Et puis elle me donna une baguette magique qui contenait une forte puissance de magnétisme et de manipulation. À l'intérieur de la baguette magique, il y avait beaucoup de puissances différentes, comme la séduction, la destruction, la manipulation. Elle me dit, si vous réussissez dans cette mission, vous serez couronné dans un trône plus élevé. La sirène me dit, je vous donnais 21 jours pour effectuer cette mission contre les églises et les pasteurs. Quand j'ai commencé cette mission contre les hommes de Dieu, j'ai dû voyager au village parce que j'ai présumé que le pasteur dans la ville était puissant. À vrai dire, j'avais peur des pasteurs, car deux de mes collègues charlatans étaient morts à cause du combat qu'ils menaient contre le missionnaire nigérian. Quand je suis arrivé dans une église du village, je suis entré dans cette église physiquement pour confronter le pasteur, pour envoûter l'homme de Dieu. En premier lieu, il faut que ce dernier soit dans un état d'instabilité mentale émotionnelle. Il fallait donc le faire peur pour créer le déséquilibre émotionnel. Car la séduction, le doute et la peur sont des armes de Satan. Quand je suis entré dans cette église, j'étais dans ma tenue et masque traditionnelle, et j'avais appliqué une huile mystique. En conséquence, la fumée sortait de mon corps. Ainsi, dès que je suis entré dans l'église, il y avait beaucoup de fumée. Je pensais que les chrétiens allaient me combattre spirituellement, mais à ma grande surprise, ces chrétiens m'ont saisi et m'ont terrassé au sol. Ils ont enlevé ma ceinture défensive, mes chaînes de puissance. Ils me laissent repartir comme ça, mais j'avais décidé de ne pas abandonner. J'étais déterminé. Et donc je suis allé au village de Moya, et je suis entré dans une église. Les gens n'étaient pas nombreux. Sans tarder, je me suis précipité vers le pasteur.
et je mis ma mouchoire sur sa tête. Sans tarder, les membres de cette église m'ont saisi. Ils voulaient me brutaliser, mais le pasteur est intervenu. Enfin, ils me laissent repartir. Quand j'ai quitté cette église, je les ai promus la revanche. Plus tard, j'ai vu une affiche d'une réunion évangélique dans le village, où de nombreux pasteurs étaient censés y assister. Je me suis dit, ceci est une occasion pour moi d'attraper beaucoup de pasteurs à la fois. En effet, je devais détruire 7 pasteurs pour monter de niveau et être couronné dans le monde des eaux. La croisade était supposée commencer à 19h. Mais ce jour, je suis venu bien avant. J'y suis allé là à 15h. Et je fais des cercles dans cet endroit avec la puissance magnétique de confusion et manipulation. Et j'ai aspergé la poudre tétadramaton de destruction dans le lieu où devait avoir lieu ce rassemblement. Ce poudre devait neutraliser ces hommes car c'était fatal. Je pensais qu'ils n'échapperont pas à cette embuscade, ils étaient cuits. Mais ce fut dans cette mission que j'ai réalisé que le pasteur était la plus grande force sur la terre. En effet, un être humain ordinaire et naturel ne pouvait pas franchir et traverser ce poudre appelé tétadramaton et vivre. Il serait mort. Mais à ma grande surprise, ce pasteur n'ont pas été affectés par la puissance de destruction que j'avais déployée. Ils étaient comme blindés. Alors que cette réunion évangélique continuait, j'ai décidé de rentrer chez moi et de mettre mon masque et tenue traditionnelle. Ceci était le tenue de combat. Puis je suis allé dans le bois où les jeunes consomment de la drogue. Je les ai achetés de la drogue et du whisky. Je les ai payés afin qu'ils puissent m'aider à perturber cette réunion évangélique. J'ai donc rassemblé des jeunes au village et je leur ai acheté de la drogue. Je les ai emmenés à l'église pour que nous puissions causer du désordre. Alors qu'on se dirigeait vers la croisade d'évangélisation, une population d'environ 100 personnes qui étaient des jeunes drogués m'accompagnait. J'étais habillé avec la tenue traditionnelle et le masque. J'avais mis un produit mystique sur moi. En conséquence, je faisais sortir de la fumée dans mon corps. Dans la rue, les gens avaient peur de moi et laissaient un grand passage ouvert. Je me disais, ces pasteurs auront peur dès qu'ils me verront et j'étais confiant. Mais quand je suis arrivé, ils ont pris l'autorité sur moi au nom de Jésus-Christ. En raison de ceci, j'étais écroulé au sol. C'était le chèque. Ils ont enlevé les masques que je portais et les habits traditionnels. Dans le monde sous-marin, la reine Diane regardait cette opération dans un écran géant et avait pris note de mon échec. Après cet échec, j'ai immédiatement voyagé vers le monde sous-marin. Aussitôt que je suis arrivé, la déesse Diane m'a accueilli chez elle pour discuter sur la défaite que je viens d'enregistrer et ce qu'il faut faire à la suite. Dans cette conversation, la grande dame des eaux me demanda de changer de stratégie, parce que j'avais échoué et je ne pouvais pas être couronné et intronisé. Elle me dit, « Je dois vous donner d'autres stratégies car nous devons changer les méthodes. » Elle me dit, « Tu ne vas plus attaquer le pasteur mais plutôt leur femme et leur enfant. » Puis la sirène me donna d'autres poudres de manipulation et magnétisme. Ensuite, Diane me demanda de prendre part à un séminaire contre les pasteurs, qui devait avoir lieu dans le monde sous-marin. Cette convention sous la mer fut assistée par beaucoup de délégués et des représentants du monde mystique venus de par le monde. Cet rassemblement était convoqué dans le cadre de la guerre contre les églises et la destruction de pasteurs. Ainsi, nous avons appris des nouvelles stratégies contre les hommes de Dieu. Et nous avons identifié leurs vulnérabilités et leurs points faibles. En effet, les femmes et les enfants de pasteurs étaient identifiés comme étant le point sensible et stratégique dans le cadre de la destruction des églises et des hommes de Dieu. Nous avons appris à rendre les femmes de pasteurs des épines sur la chair de leur mari afin qu'elles se querellent en tout moment. Nous avons appris à manipuler et influencer les femmes de pasteurs à qu'elles insultent leur mari et les poussent à la distraction. En plus de cela, il fallait rendre les enfants des pasteurs têtus. Si vous êtes une femme d'un pasteur ou un enfant d'un pasteur, vous êtes une cible potentielle et stratégique. Le royaume sous-marin a remarqué que les pasteurs sont forts. Ils ne peuvent pas les attaquer directement, donc ils ont pris leurs femmes et leurs enfants comme cible. Afin de les avoir, ils donnent aux femmes et enfants des pasteurs des esprits d'entêtement, obstination et des rébellions. Ceci était supposé rendre le pasteur faible. Par conséquent, ils seront capturés, parce que ces pasteurs sont comme des commandants dans le monde spirituel. Étant donné que j'avais failli dans ma mission des destructions de pasteurs, je ne pouvais pas être couronné dans le monde sous-marin. Alors une fois que la convention contre les églises avait pris fin, je suis retourné sur la terre. Quand je suis revenu du monde des eaux, je marchais dans la rue. Quand j'ai rencontré un docteur du village qui me connaissait très bien, mais j'ai remarqué qu'il avait peur de moi. Il m'a dit qu'il m'a accueilli comme un fantôme. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais plus on parlait, il réalisait que je n'étais pas un fantôme. Il me dit, « Nous venons de célébrer ta mort parmi le médecin indigène et l'herbaliste du village. Tout le monde au village sait que tu es mort. » Quand j'ai rentré chez moi en cours de route, un villageois qui me connaissait se mit à fuir quand il m'a vu. Quand j'arrive à la maison et j'entre chez moi,
J'ai vu ma femme qui fuyait loin de moi. Quand mes enfants m'ont vu, ils ont aussi couru loin de moi. Mais j'ai remarqué que ma femme vivait avec un autre homme. J'ai été choquée et déçue. Elle me dit « On m'avait dit que vous êtes morte, alors je devais me trouver un autre homme. » Comme je ne pouvais plus vivre avec cette femme qui était attachée à un autre homme, j'ai dû trouver une autre femme. Mais ma femme spirituelle Diane a commencé à l'attaquer. Diane venait l'opprimer. Diane ne voulait pas que je puisse me marier. Alors elle venait dans le rêve pour affliger ma nouvelle femme. Un jour ma copine me dit, « Pourquoi est-ce qu'une femme qui prétend être votre femme m'attaque régulièrement en songe? Es-tu mariée à une autre femme ?» Elle me dit, « Cette femme vient en rêve me dire que vous êtes son mari. » Ainsi, j'ai remarqué que chaque matin ma copine se réveillait en colère. Parfois elle me disait, « Une femme me rend visite dans le rêve et me menace et me dit, « Si tu oses avoir un enfant avec mon mari, je viendrai chercher le bébé et je veux manger. » Il faut noter que les sirènes mangent des bébés. Ma femme me dit, « J'ai avéri cette femme qui vient me menacer dans le rêve que j'ai en moi Jésus-Christ et je ne mourrai pas. Par contre c'est elle qui va la payer. » Au fur et à mesure que je vivais avec ma nouvelle femme, la sirène Diane venait maintenant physiquement pour menacer ma femme car elle ne voulait pas que je sois avec une femme de la terre. Quelques jours plus tard ma femme me dit, « Il me semble que je suis ta femme dans la journée mais la nuit tu as une autre femme. » À ce moment j'avais besoin de délivrance parce que les choses étaient devenues dures, et je ne vivais pas la vie normale. Ainsi donc, je voulais venir à l'homme de Dieu, mais je pensais qu'il me reconnaîtrait parce que je suis l'une des personnes qui le combattaient. Mais quand je suis venu, tout se bien passé. L'homme de Dieu pria pour moi et je t'ai délivré. Ah bon? Sérieux, tout ce qui s'est passé? Mes frères et sœurs, vous avez entendu ça? Ah. Voici ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Et ça, c'était son témoignage. Ce que sûr. Nous allons vous dire que ça ne fait que commencer. Si vous n'êtes pas abonné, c'est ce qu'il vous reste à faire. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Nous venons de nous réveiller. Ça va être chaud.